Donc la maison gouache, eh bien, c'est quoi? C'est, je suis la troisième génération avec mes deux frères. Donc c'est mon grand-père qui a créé ça dans les années 50. Donc aujourd'hui, ben, voilà, nous sommes un atelier de découpe de viande qui traite de la vache, du veau, du cochon et des agneaux. Donc on est basé, bien sûr, vous savez, dans les Pyrénées-Orientales. Qu'est-ce que tu en penses? Celle-là a l'air pas mal, non? Là, on a une très 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 bonne vache limousine. C'est une vache limousine qui est de 2008, donc qui a fait 7 ans, 8 ans. On a une très 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 bonne bête hein, qui va vraiment supporter un bon petit mois de côté au frigo sans bouger. Un peu de maturation, moins de maturation. Très très bien engraissée, ouais. Épaisse, avec de la côte, du faux filet épais. Un état d'engraissement extra, voilà. Si ça t'intéresse, c'est une très très bonne vache limousine, voilà. Parfait. Et bien voilà. Voilà Yves, je suis content de t'avoir rendu cette très très bonne vache limousine. Elle a l'air qui ira très bien à caner chez ton restaurant, je le pense sincèrement. Voilà. Merci. Aujourd'hui et depuis une vingtaine d'années, donc maintenant, Yves ben, nous a permis aujourd'hui de travailler la viande pour un restaurateur. Voilà. Aujourd'hui, enfin, à l'époque, on savait faire pour un artisan boucher, donc de la carcasse entière, mais on ne savait pas trop faire la façon pour le restaurant. Et des gens comme Yves nous ont permis eh ben, d'apprendre aussi comment un restaurateur voulait un morceau. Alors, grâce à des gens comme ça, la production locale est très très bien valorisée dans notre département aujourd'hui. Et j'espère que ça durera encore eh ben, au moins une vingtaine d'années de plus. Voilà.